Julien, félicitations pour ta deuxième victoire en deux jours ici au Québec, de retour au Québec. Raconte-nous ta journée. Ouais, ça a été deux belles journées pour venir essayer d'aider un peu les jeunes avec les pénalités. Puis pour moi, c'est le fun. Je pouvais pratiquer un peu l'environnement de course sans être trop stressé. Puis donc c'était bien. J'ai eu deux bonnes journées, j'ai bien skié, puis c'était bien le fun. Quelles vont être tes prochaines échéances après les fêtes? Je pars en Europe le 31 décembre, puis je vais en préparer pour Zagreb, qui va être, le 6 janvier. Donc après ça, je m'en vais préparer pour un 5 Coupe du Monde au mois de janvier, puis après ça, les Jeux Olympiques, mais on va commencer avec les Coupes du Monde, puis après on verra qu'est-ce qui se passe. Mais... Merci beaucoup. Et puis, une autre bonne nouvelle est venue à s'ajouter à la journée. Un petit message pour Eric. Ouais, ben, je suis super content. Je me suis levé ce matin, puis j'ai regardé la course, puis... non, je crois qu'il a fait une belle course, surtout une belle fin de parcours. Il était un peu en arrière, mais je suis super content pour lui. Donc, je vais lui envoyer un message ce soir quand je vais rentrer. Merci beaucoup, Julien, et bonne fête. Merci.